building ahen position phan gai bin kal tu na si la te position phan gai mi nu panga phong a fit a thiam do mi pul kha an nu lama how ban a chip do me thar sai dan and for the khase ko se sa no ten ka lamo position tha tin nam bi lo la a khe kha. Le commandant Sang-Uk Tang conduit ses hommes sur la ligne de front d'une guerre qui se joue à l'écart du monde, dans les montagnes et les plaines de Birmanie. Étudiant en théologie, Sang-Uk Tang a pris les armes pour combattre la junte, au pouvoir depuis un coup d'État au mois de février 2021. Aujourd'hui, à 30 ans, il est à la tête d'un bataillon de près de 600 hommes. If the military soldier, the junctor, see us, we will be shot. We need to run. Okay, be ready. Okay, come on. Après 28 jours d'intenses combats, le commandant et son unité viennent de reprendre à la junte ce poste de police. Dans la ville de Tantlang, désormais détruite, ici les deux camps se font face à moins de 200 mètres. The junta may come. It's not clear. But if they come, we will shoot, we will kill them. We are ready to die for Tantlang. This is our town. This is where we grow up. We will fight for democracy. Pour rejoindre cette guerre oubliée, il faut rouler de longues heures à travers ces montagnes. Les journalistes étrangers ne sont pas les bienvenus en Birmanie. Pour entrer dans le pays, il faut emprunter des chemins détournés, éviter les postes frontières tenus par l'armée avant de parvenir à cette rivière. Hello. Welcome to Chinland. Welcome to Burma. Les 500 000 Chins de Birmanie peuplent ces montagnes pauvres et reculées, à la frontière de l'Inde et du Bangladesh. Depuis la fin de l'occupation britannique, ils font partie des 135 ethnies officiellement recensées dans le pays. Convertis au christianisme à la fin du 19e siècle, les Chins sont depuis longtemps marginalisés dans une nation où 90% de la population est bouddhiste. Alors, depuis plus de 30 ans, ils ont fait de leur territoire un État insurgé. Au cœur de cette jungle, ils ont installé un campement d'où ils luttent politiquement, mais aussi militairement contre le pouvoir central. Hello. Après le coup d'État du 1er février 2021 qui a mis fin à 10 ans de transition démocratique, les Chins ont été les premiers à rompre le cessez-le-feu en vigueur et à prendre les armes pour combattre la junte. En quelques semaines, des centaines de jeunes à travers tout le pays ont répondu à l'appel du drapeau et sont venus grossir les rangs de la CNA, l'armée nationale chine. Lutte donc. Chine.
Alors qu'il n'était que quelques centaines avant le coup d'État, les soldats de la CNA sont aujourd'hui plus de 2000, en grande majorité des jeunes de la génération Z qui ont grandi dans une Birmanie en paix. Des hommes, mais aussi beaucoup de femmes ont revêtu l'uniforme pour participer à ce qu'ils appellent désormais leur révolution. Chief officer. ပါဗျာပစင်တော့ရှင်နော်အဲ့ပါဒီပစင်ကလည်းတရားပစင်ဘလောက်ကလည်းဒီအနာဆဆချင်းတိတ်ရမှာဗောနော်အနာတိတ်နေဆိုမတိသေးဘူးဖုန်းလိုက်နေအကုန်လုံးဖြတ်တောက်သွားတယ်ဗောပြီးတော့ TV Grace Swishlontial travaille au sein du département de la guerre dans le camp Victoria, le quartier général de l'armée nationale Chine. À 25 ans, elle a abandonné ses études de droit pour rejoindre la jungle et la résistance. Bobo, yakela. Grace partage cette petite pièce avec une autre recrue de son âge. Une vie à la dure pour cette fille de la ville. Dans le camp, il n'y a pas d'eau courante, pas internet. L'électricité n'est disponible que quelques heures par jour. Grace est la benjamine d'une famille de 5 enfants. Ses parents sont tous les deux décédés avant le coup d'État, et dans sa fratrie, elle est la seule à avoir rejoint la lutte armée. ပြောပါတယ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့တဲ့လမ်းဆိုတော့ဘယ်လိုပဲအဆိပ်ပြက်ဆရာကောင်းနေပြီမဲ့ကိုကလည်းကိုပြောအောင်တော့နေရတာပေါ့ဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ခွန်ပြောတယ်ဆိုတော့အရာမှာဆိုရင်တော့ဘယ်လိုပြောမလဲအမျိုးနှစ်ထောင်ဆရာကောင်းလောက်တဲ့ပြောဆရာတော့မဟုတ်ဘူးပြဿနာဒါပေမဲ့ဒီတော်လှန်ရေးမှာအဲဒီတော်လှန်ရေးတမိုင်းမှာကိုကပါဝင်ရတဲ့အရာတစ်ခုအကြောင်းပဲပြောရှင်းရတာပေါ့ Ces jeunes recrues et leurs idéaux démocratiques ne sont pas les seuls à avoir rejoint la résistance. Après le coup d'État, la CNA a vu débarquer une poignée de soldats de la Tatmadaw, la toute-puissante armée birmane. Des membres de l'ethnie Chin qui ont préféré déserter plutôt que de faire la guerre à leur peuple. Après 20 ans passés dans la marine birmane, le sergent Hong Kokowin met aujourd'hui son expérience au service de la jeune garde. Il forme les nouvelles recrues au maniement et à l'entretien des armes. Pour mener leur guerre, les soldats de la CNA n'ont que ces vieux fusils mitrailleurs fournis par d'autres groupes rebelles ethniques ou récupérés sur les cadavres des soldats birmans. Face à l'arsenal de la junte, le rapport de force est largement déséquilibré. Nous avons
เนาะมาซ้ายนี่ရှိတယ်အဓိကအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တရုတ်ကနေပြီးတော့မှာတစ်ခါလက်နက်တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှာမြောက်ကိုရီးယားကမ်းနေလဲရှိတယ်သူကအဓိကတော့ဟိုပြောင်းဝင်လမ်းကြောင်းဟိုတချို့အားတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီထက်အဆင်းမြင့်တဲ့လက်နက်မျိုးနဲ့ဟိုဖြစ်တဲ့ဟာဟိုကိုပိုင်လဲထုတ်လုပ်နိုင်မယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထက်အဆင်းမြင့်တဲ့လက်နက်ကို
son épouse et leur petite fille reviennent pour la toute première fois dans le quartier où ils vivaient. La famille a quitté la ville en août 2021, 6 mois après le coup d'État, lorsque l'armée birmane est entrée dans la ville et a commencé à s'en prendre aux civils. 2 ans plus tard, la guerre résonne toujours dans les rues de Tantlang. Depuis le coup d'État, partout en Birmanie, plus 1,5 million de civils ont dû fuir leurs maisons et les combats, contraints à une vie de réfugiés à l'intérieur même de leur pays. Dans l'État de Chine, 1/3 de la population a été déplacée. Parmi les habitants de Tantlang, 100 de familles s'est installée ici, à 4 heures de route de la ville. Après plusieurs mois d'errance, Nunsung et son épouse Tialtin Dim sont arrivés ici eux aussi, il y a un peu plus d'un an. Il y a 25 octons.
시토톡 아방디 김케 ora ka uk na kan du lo ronga khan tin ral thau le kan ka him huni kam phak nak city chu ka chim ton kon ha conform lo ka he kir se than tlang kan um nak ten hei ti ton le kirok thari lo ka hei ti ton han a tant que langue Tial Tindim tenait une petite épicerie au rez-de-chaussée de sa maison. Nun Sung, lui, était fermier dans les champs alentours. Dans le camp de réfugiés, il n'y a de travail pour personne. La famille survit grâce à l'aide de petites ONG. Kampatian, Nadot Nahe as Hungot Kronfen. Muinak Sarmin, Nichi don't had them tin and can pack their Kampatian, Nessina can loan to. Chachua and can pick me eating canteen. Chachua and can pick me chunga can alone Kronfen. Kampatian, Kichachua. Can whom me chunga? Lom Nahe cream in Kakansam Kampatia. Ici, les repas sont toujours les mêmes. Du riz blanc, de la pâte de crevettes fermentée et parfois quelques feuilles de choux des potagers voisins. Dans l'état le plus pauvre de Birmanie, la situation humanitaire ne fait qu'empirer depuis le début de la guerre. Alors les plus démunis s'en remettent à Dieu et se réfugient dans les prières. Les Chines font partie des 6% de chrétiens que compte le pays. Une fois par mois, le village organise une grande célébration pour accueillir les nouveaux réfugiés. Dans cette zone enclavée où les communications sont difficiles et les nouvelles sont rares, le pasteur profite de ce rendez-vous pour faire le point sur la situation militaire. Dans cette communauté protestante évangélique, le pasteur ne se fait pas d'illusions. Parmi les 100 000 déplacés de Chine, certains sont devenus des héros, sans armes ni uniformes. Le docteur Amos et son épouse Rebecca, infirmière, sont aujourd'hui à la tête du seul hôpital de cette région contrôlé par les Chinois.
Pour avoir participé à des manifestations anti-régime, ils ont dû fuir l'établissement gouvernemental dans lequel ils travaillaient. Depuis, ils ont repris ce dispensaire financé grâce à des dons de la diaspora installée aux États-Unis. Le docteur Amos a obtenu son diplôme de médecine générale 3 semaines seulement avant le coup d'État. Ici, il vit son baptême du feu. Il est tout à la fois chirurgien, anesthésiste, pédiatre, gynécologue. Because of the man, like X-ray interpretation or radiological, yeah, I studied myself in YouTube. Yeah. Il y a un peu plus d'un an dans cet hôpital, le docteur Amos et son épouse sont devenus eux aussi parents d'un petit garçon. Mais dans cette vie au milieu de la guerre, les moments de répit ne durent jamais bien longtemps. A message comes from one of our pastor to stay careful tonight because it is not safe tonight. There may be a strike in Tikir. Ah, rồi đúng rồi. Nông trại sẽ mình chịu tại vì mẹ đi xem mà civil war thì ông này để xem mà chờ đó. Cái lưu đó đó xem mà còn phía đầu nó, cái lưu đó xem mà còn phía trên. Cette nuit-là, l'hôpital est finalement épargné. Les avions de la junte fournis par la Russie ont choisi une autre cible, un petit village d'à peine 100 habitants. Dans ce village loin de la ligne de front, où ne vivent que des fermiers et des paysans, la junte a lâché 2 lourdes bombes en plein milieu des habitations. Par miracle, la plupart des villageois ont eu le temps de se mettre à l'abri. Mais la mort a tout de même frappé 2 fois. Le village enterre une institutrice à la retraite de 60 ans et un agriculteur de 37 ans. Depuis le coup d'État, au moins 3 500 civils ont perdu la vie dans toute la Birmanie.
Face à son échec sur le terrain, depuis quelques mois, la junte s'en remet à des attaques aériennes. Le danger plane en permanence. Alors, dans le camp Victoria, au quartier général de la CNA, Grace et ses amis passent désormais leur nuit à l'abri dans des bunkers. Loin des combats et de la ligne de front, certaines jeunes recrues de l'armée nationale Chine ont payé le prix du sang, jusque dans leur refuge caché dans la jungle. Au mois de janvier dernier, le camp Victoria a été bombardé pour la première fois depuis sa création. 5 membres de la rébellion ont été tués. Au total, depuis le début de la guerre civile, plus de 300 soldats chinois ont perdu la vie. Aux soldats morts pour la CNA s'ajoutent plusieurs centaines de jeunes au corps mutilé, blessés dans leur chair, mais en vie. Ceux qui survivent au champ de bataille sont soignés dans cette clinique de fortune installée dans le camp Victoria. We have to do amputation within this month. We have done 6 people amputation. Our civilians. So there are so many people, young men and women, without legs and arms. So I want to cease this war as soon as possible. Dans cette clinique, Sam Tsung est le plus jeune de tous ces soldats meurtris. À 19 ans, il a été touché lors de sa première mission sur le front. Une mine a emporté plusieurs de ses camarades. The pep
chot pa pe sa ya non da ma ya ro ba le tem pi ro lu no twe ba no yo tap pe ngwe na so le mi online bo to lan ya twe ba ma non da ya sha chaw mi shu lo le we thin de na ship dance me pi ma twa na yan to ma ko wa ro non da ga ne through kind of have le me mo lo pe lo ana sa ne me pyo tu yo ro di the ma ba the bi ro lo lo chin no. Ces jeunes combattants n'iront plus à la guerre, mais tous ici veulent croire qu'ils continueront à participer à leur révolution. Loin du front, ils veulent désormais opérer dans l'ombre de l'armée nationale chinoise.